messieurs, chers amis, bonjour pour ce qui s'annonce comme étant un dialogue assez exceptionnel entre les deux rives de la Méditerranée, lors duquel j'ai le plaisir d'avoir deux acteurs emblématiques à la fois de la politique, du monde des affaires, de l'économie, mais également de la stratégie. J'ai avec moi ce matin et le grand plaisir et honneur d'avoir Moulay Hafid El Alami, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, et également une personnalité emblématique sur le continent pour la création d'un conglomérat panafricain mondial qui est le groupe Saham. Et j'ai également avec moi Christophe Castaner, donc un mousquetaire de la Macronie et un janissaire de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, pour ce dialogue tridimensionnel de ce matin, sur lequel on va vous poser des questions très simples. On avait préparé beaucoup de notes, mais finalement, je crois qu'on va le faire dans un dialogue entre amis, parce que c'est ici, à Marseille, aux confluences de cette Méditerranée que nous aimons tant, que peut s'organiser la conférence des arrière-pensées et qu'un dialogue franc peut s'engager. Alors, mes deux invités aujourd'hui ont des parcours parallèles et asymétriques. L'un a commencé par la politique pour rejoindre ensuite le grand secteur privé stratégique, et l'autre a commencé par le secteur privé pour ensuite travailler dans l'exercice de l'État pendant plusieurs années, ce qui nous permet d'avoir des regards croisés sur la complexité de cette marche en avant de l'État, de comment conduire le bateau lorsqu'il est dans la tempête et que les vents forts sont contraires, et quelles leçons on peut en tirer pour améliorer les coopérations et le réveil économique et financier entre les deux continents. Et j'aimerais commencer par vous poser tous les deux cette même question, en démarrant par le président El Alami. En mars 2020, ça nous paraît tellement loin et pourtant tellement proche, le monde est mis sous cloche, le Royaume du Maroc décide la fermeture de ses frontières le 14 mars. Il y a un enjeu majeur à savoir comment réorienter le tissu industriel marocain pour pouvoir le flécher en direction de la protection des populations. Très récemment, je demandais à un ami dans ce contexte très inflationniste, et un ami qui est dans l'exécutif, je lui dis « Comment tu dors en ce moment ?» Et il m'a dit « Je dors comme un bébé. » Je lui dis « Ah bon, tu arrives à dormir comme un bébé ?» Il m'a dit « Oui, je dors une heure, je pleure une heure, puis je dors une heure, puis je pleure une heure. » Donc tous deux, vous avez connu cette période où vous dormiez une heure, puis pleuriez une heure. Monsieur le ministre, replongez-nous dans ce 15 mars, lorsqu'on vous appelle et on vous dit « Moulay Hafid, c'est le moment de fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique et de mettre la machine en route pour protéger les Marocains. » Merci de nous faire replonger dans ce moment qui était assez particulier. On espérait les avoir déjà oubliés, mais participons à cet exercice de revenir, de refaire un peu d'histoire en arrière. En effet, cette pandémie a surpris un peu tout le monde. Il faut dire qu'au Maroc, on était tranquille, on dormait un peu plus qu'une heure, on pleurait un peu moins qu'une heure dans le temps. Et j'ai reçu un appel, en effet, du roi du Maroc, qui était sur le pont. Je ne comprenais pas très bien pourquoi. Donc je découvrais qu'il y avait une pandémie dans le monde. Hein, on pensait que c'était un peu une blague et que graduellement, elle nous a rattrapés. Et il y avait des instructions qui étaient très claires. Et depuis, il a été sur le pont tout le temps, donc on dormait un peu moins qu'une heure dans le temps. On n'avait pas le temps de pleurer. Donc il fallait se retrousser les manches et attaquer les problèmes de face. Avec trois instructions bien spécifiques, qui étaient la première, c'est que la santé des citoyens passait avant tout, passait avant l'économie. Alors pour quelqu'un qui venait du monde de l'économie, je dois vous dire que j'avais des palpitations cardiaques au quotidien en me disant « Notre économie va mourir, c'est pas possible, on a fermé les frontières, le roi a décidé de tout arrêter, de protéger les citoyens, etc. » La deuxième instruction était « Je ne veux pas que les Marocains manquent de quoi que ce soit. D'abord, les masques, le gel hydroalcoolique, mais pas que ça. On a fabriqué des respirateurs, on a fabriqué des lits de réanimation, on a fait un tas de choses, des tests PCR, parce que comme chacun sait, dans cette période, on a tous essayé de s'approvisionner en Chine, n'est-ce pas, pour ces machines qui fabriquaient les masques. Et très vite, quand on a envoyé des avions pour récupérer d'autres machines, eh bien, elles revenaient vides parce que celles-ci étaient vendues. Donc on a découvert à ce moment-là l'ingéniosité des gens
qui sont en détresse ou en difficulté. Donc tout le monde se serrait les coudes. Nous avons travaillé de façon merveilleuse. C'est dire parfois qu'on devrait souhaiter de temps en temps des petites crises comme ça, parce qu'on avance beaucoup plus vite. C'est invraisemblable. On découvre des potentialités incroyables. Le Maroc a fabriqué des masques, en effet, parce qu'avant, il y avait une instruction d'éradiquer les sacs plastiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, on les a transformés ou substitués par... C'est les usines qui faisaient des sacs non tissés. Absolument. Qui se sont mises à produire des masques. C'était c'est ce des qui usines... explique que le Maroc, au moment où l'Europe n'arrive pas à avoir des masques, est le pays qui arrive à produire 7 à 8 millions de masques par jour. Oui, mais je vais vous faire grâce de vous expliquer la qualité des masques, esthétiques. Les premiers étaient une horreur exceptionnelle, mais ils rendaient service parce qu'ils étaient extrêmement protecteurs. Ils étaient vraiment moches, je l'avoue humblement. Mais on s'est amélioré au fil du temps et nous avons fabriqué des machines pour fabriquer ces fameux masques, au point où nous avons commencé à en exporter. Ce qui est aussi intéressant comme expérience, c'est l'éthanol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'éthanol, c'est cette matière d'alcool que l'on met pour avoir le gel hydroalcoolique. Alors quand on en a eu besoin, j'ai demandé qu'est-ce qu'on avait comme possibilité au Maroc. On avait une seule usine qui avait pris feu une année auparavant. On ne nous avait pas informés. Et donc le monde entier était à la recherche d'éthanol. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse refaire cette usine en un temps record. On m'a dit que ça prenait entre 8 et 12 mois pour la remettre en état. J'ai accepté, donc j'ai donné 15 jours pour la mettre en état. Et puis finalement, les équipes se sont mobilisées. Elle a été remise en marche en 10 jours. C'est invraisemblable. Alors évidemment, les gens ont travaillé jour et nuit, etc. Mais il y avait une certaine volonté de sortir et de combattre qui est extraordinaire et qui a fait découvrir plein de choses sur notre continent. Donc en effet, cette difficulté était catastrophique, donc on ne dormait pas. Nous avons mis en place des war rooms pour pouvoir suivre l'ensemble de ces éléments-là, et les masques, et le gel hydroalcoolique, et les produits alimentaires, etc. Il faut dire que le Maroc n'a manqué absolument de rien pendant cette période-là. Je pense que les gens qui connaissent le territoire peuvent en témoigner. Mais c'était exceptionnel. Je ne suis pas sûr que dans la vie de tous les jours, on puisse faire ça. Mais ce que ça a eu d'intéressant, c'est de découvrir la capacité que nous pouvons retrouver sur ce continent. On pensait que seul en Chine, on pouvait fabriquer des choses. Un test PCR, eh bien, on a tous pris des tests PCR qui venaient d'Asie. Eh bien, à un moment donné, il y en avait moins. Et le Maroc en a fabriqué de très grande qualité. On a fabriqué des respirateurs de très grande qualité avec le secteur aéronautique, avec des turbines assez impressionnantes. Donc, les capacités sont là et sont impressionnantes. C'est en tout cas ce que j'ai retenu de cette période. Alors, vous me donnez la transition idéale pour me tourner vers le président Castaner. Le président Alalami évoquait cette agilité d'un pays venu du Sud. Vous avez été aux manœuvres dans un sujet tout aussi important, qui est comment contenir les colères, comment organiser la paix publique à des moments où toutes les opinions publiques sont extrêmement polarisées. Et ce qui nous intéresse particulièrement, parce que cette question de la gestion des opinions publiques, la gestion des colères, la gestion des tensions, vous avez maintenant le retour d'expérience parce que vous avez été à la tête d'un grand ministère régalien et qui s'occupe à la fois de la sécurité, mais du maintien de l'ordre public et de la gestion de ces éléments-là. Quel est le retour d'expérience que vous pouvez nous donner sur ces moments d'extrême tension ? Ceux où il faut apporter des réponses pragmatiques à des problèmes urgents et en même temps heurter parfois certaines communautés et faire face à tous ces éléments-là. Merci. D'abord, merci de votre invitation. Je vais répondre à la gestion des colères, puis je voudrais revenir sur la première question. C'est vrai qu'en matière de gestion des colères, je dois devenir un des spécialistes, mais en France, on est un peu le spécialiste mondial de ce sujet. Donc là-dessus, il faut le prendre avec une certaine modestie. La première responsabilité du ministre de l'Intérieur à ce moment-là a été, par exemple, d'organiser le rapatriement des Français qui étaient Wuhan et que nous avons accueillis dans cette région, à quelques kilomètres d'ici, à Carry et à Aix en Provence. Et puis la deuxième des responsabilités, c'est d'organiser le confinement. Et le confinement s'est très bien passé en termes d'ordre public, tout simplement parce que les Français souhaitaient qu'il se passe bien. Parce que les Français ont eu peur, sont restés chez eux. D'ailleurs, on leur avait dit « restez chez vous, mais allez travailler ».
Ils ont entendu le rester chez vous, ils n'ont pas entendu le aller travailler. Et à ce moment-là, c'est le deuxième volet de la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est les conséquences économiques. Et ce que je voudrais vous dire très rapidement, c'est qu'en fait, il y a deux approches très différentes. La première sur la crise, ce que mon collègue de l'époque a vécu au Maroc, on l'a vécu de la même façon avec les mêmes difficultés. Et c'est intéressant de voir que dans le monde entier, on a les mêmes difficultés. Début janvier, nous, la France, avons envoyé un avion rempli de masques pour les Chinois. Il ne faut pas oublier cet épisode-là où les Chinois étaient en carence de masques dans leur secteur hospitalier. Depuis le 1er ou le 2 janvier, l'OMS avait déclaré un risque de pandémie en Chine. Et à ce moment-là, nous venons en aide aux Chinois parce que nous savions que nous avons besoin de masques pour les personnels de santé. Puis l'OMS, jusqu'au mois d'avril, dit que les masques ne sont pas forcément nécessaires. Et à travers cet exemple, ce que je veux vous dire, c'est que sur le sanitaire, nous avons dû construire des réponses politiques sur une base qui changeait tous les jours. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je n'ai jamais été confronté à cette réalité-là. C'est-à-dire, vous êtes un maçon, vous construisez votre maison, mais on vous dit, mais vous allez rire, les fondations telles qu'on vous les a données hier, finalement, il faut qu'elles soient différentes. Et chaque jour, il fallait faire face à cela. Alors qu'à l'inverse, sur le volet économique, et c'était le sens de votre première question, nous avions des données. Et notamment la France, là-dessus, autant nous avons inventé, comme tous les responsables dans le monde entier sur la gestion sanitaire, en tentant de faire au mieux, préserver notre système et empêcher l'embolie des hôpitaux. Le confinement, c'est surtout pour empêcher l'embolie des hôpitaux. Mais sur la question économique, on avait un retour d'expérience. C'est la crise financière de la fin des années 2000 en France et en Europe. L'Allemagne, avec la même crise financière, investit massivement pour tenir la tête hors de l'eau de toutes les entreprises. La France, non. La France répond à un moment donné par un immense plan de relance, 600 milliards, mais toutes les entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises sont mortes. Faire redémarrer une entreprise, c'était compliqué. Emmanuel Macron, à ce moment-là, il ne faut pas le dire aussi brutalement, ce n'est pas politiquement correct, mais copie cette expérience de l'Allemagne et maintient toutes les entreprises la tête hors de l'eau. C'est le quoi qu'il en coûte. C'est ensuite devenu le quoi qu'il en coûte, mais c'est la première étape où vous avez 40 millions de Français qui sont devenus des fonctionnaires. Leur salaire était payé par les impôts et donc avait un statut au niveau du salaire de fonctionnaire. Donc c'est tenir toutes les entreprises à tête hors de l'eau. Et ensuite, c'est le quoi qu'il en coûte pour aller vers la relance. Mais là, au fond, nous avions des données. Est-ce que les décisions qui ont été prises étaient bonnes ou pas ? Je pense qu'elles sont bonnes et les résultats économiques de la France aujourd'hui le montrent. Mais il n'empêche que nous avions une expérience, alors que sur la gestion sanitaire, nous devions inventer des réponses sur la base de données scientifiques. Et les scientifiques ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont des certitudes absolues, et ils sont légitimes en cela, mais elles évoluent dans le temps. Et ça, ça rend beaucoup plus difficile. Moi, j'aime les certitudes qui ne soient pas aléatoires du jour au lendemain. Ben là, on a dû faire avec. Alors, justement, je vous relance là-dessus, monsieur le ministre, parce que Lévi-Strauss disait le contraire de la connaissance, c'est pas l'ignorance, mais c'est les certitudes. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est précurseur d'une reconfiguration de l'ordre mondial parce qu'on se rend compte de cette surexposition européenne vers l'Asie du Sud-Est en matière de production industrielle ? Ouais, deux remarques. D'abord, sur cette question, l'enjeu de souveraineté. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la campagne présidentielle qui était un peu escamotée pour les raisons que l'on sait. Mais la question de reconquête de souveraineté est devenue majeure. On a découvert à ce moment-là qu'en France, on ne fabriquait plus de paracétamol, le Doliprane. Il nous arrive tous, à un moment donné dans notre vie, d'avoir un petit peu mal à la tête. Et pas seulement les lendemains de noces, mais globalement, ça peut nous arriver. On n'en fabriquait plus en France depuis plusieurs années. Et puis on l'a vu sur le sanitaire et sur ces sujets-là. Donc oui, enjeu de souveraineté sur la question sanitaire, comme aujourd'hui sur la question énergétique. Mais je vais rebondir sur le thème qui nous rassemble, cette relation avec l'Afrique. C'est très intéressant de voir que dès le 2 avril, le président de la République en France lance avec l'AFD un grand programme national Covid-19 santé en commun pour accompagner les pays en Afrique. Et on mobilise, je crois, 1,9 milliard dans la durée sur ce sujet. Et très vite, on a ce débat, notamment avec les Chinois, je rejoins la table ronde précédente, de dire bah alors, qui va porter le vaccin, etc. Bon, donc on s'est tiré la bourre. Les résultats sont assez nets, ça mérite d'être dit quand même. Il y a eu 700 millions de vaccins donnés par l'Union européenne à l'Afrique contre 23 millions à la fin de l'année dernière donnés par la Chine. Mais il n'empêche qu'on s'est planté. Et j'ai en tête les propos de Macky Sall qui disait « La gestion du vaccin, ça a été un traumatisme pour l'Afrique ». Parce qu'au fond, on s'est planté, parce qu'on est resté dans cette bonne vieille logique. On n'a pas fait le reset qui était évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente, de dire « Il faut aider ». Non.
là-dessus aujourd'hui. Il fallait faire en sorte qu'en Afrique, on puisse produire du vaccin. Et depuis, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Rwanda, on a des unités de production. Et ça, c'est très intéressant et ça fait le lien. Donc vous nous dites trade, not aid. Bien sûr. Je pense que nous devons revoir totalement notre logiciel dans ce rapport justement au développement de l'Afrique, en donnant-donnant, parce que nous sommes un système concurrentiel aujourd'hui, y compris sur l'aide et sur les investissements. J'ai mis un petit coup à nos amis chinois précédemment sur les vaccins, mais on en parlait, j'ai entendu, dans la table ronde précédente. Donc oui, nous devons revoir en profondeur notre rapport à l'Afrique pour faire en sorte qu'on puisse aider un développement qui nous protège. Et je ne veux pas être bavard, mais dans les protections, elles sont nombreuses, où on a besoin aussi d'être vigilant. Alors, décidément, mes invités ont du talent aujourd'hui, mais ils m'obligent à bouleverser l'ordre des questions. Ce que vient de dire président Castaner, ça vous interpelle à plus d'un titre, Moulay Hafid El Alami, parce qu'il y a cette notion de réinventer, réenchanter ce partenariat euro-africain. Mais vous avez été, et beaucoup de vos collègues, lorsque vous étiez au gouvernement, et de vos collègues africains, étaient souvent confrontés à des injonctions paradoxales. C'est-à-dire un discours extrêmement volontariste sur la souveraineté et la réindustrialisation de l'Europe. Et en même temps, ils demandent aux pays du sud de la Méditerranée de jouer le gendarme de la Méditerranée sur les migrations. C'est quoi la solution pour cette équation insoluble qui voudrait qu'il faut qu'on crée des emplois stables au sud de la Méditerranée sans désindustrialiser l'Europe, mais en même temps qu'on continue à faire les flics de la Méditerranée? Comment on gère ça? Alors les paradoxes sont encore beaucoup plus nombreux que ce qui a été cité. Et c'est vraiment intéressant. Alors évidemment, nous avons une relation ancestrale d'amour, de partenariat, de partage, de compréhension. Mais ce reset et ce nouveau logiciel, moi je considère qu'on est loin de l'avoir trouvé. À date, ce qui se passe... Comme je ne suis plus tenu d'être politiquement correct, je peux dire qu'il est lamentable. Aujourd'hui, la situation reste lamentable. Il y a vraiment des choses à faire, sérieuses, parce qu'entre les discours que nous tenons, prenons le cas de la fuite des cerveaux. J'ai expliqué à mes partenaires à maintes reprises que c'est intelligent de venir récupérer de l'Afrique tout ce qui ressemble à une intelligence quelconque. Maintenant, on n'en a plus besoin, n'est-ce pas, parce que l'intelligence artificielle est là. Ça rejoint le débat actuel sur les métiers en tension, hein, où en France, ils veulent ramener des codeurs, des ingénieurs, des gens dont ils ont besoin pour les entreprises françaises. C'est bien et c'est une énorme erreur. C'est une grosse erreur d'incompréhension. Je pense qu'il y a un reset profond à faire. Je vais vous parler économie deux secondes, dans des domaines que j'ai pu croiser dans ma carrière. Lorsque vous récupérez des ingénieurs d'Afrique, vous en prenez 2000, vous les mettez en Europe, dans une des capitales. Vous êtes obligé d'avoir la même grille de salaire. Vous avez tout cassé. Vous pensiez régler un problème, vous avez créé plusieurs problèmes. Vous avez dépouillé en face de vous des pays que vous êtes censé accompagner, aider, vous êtes en train de les détruire, intelligemment, mais vous le faites. Et la démarche, c'est que chez vous, vous n'avez pas de bénéfice quelconque, parce que vous vous imaginiez que les gens, vous allez les incorporer dans votre grille de salaire en ayant des salaires décotés. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. L'inverse aujourd'hui, et avec la présence des télécoms, les capacités de travailler à distance, etc., nous l'avons accentué avec la pandémie, parce que les gens ont fini par avoir deux impacts. Mais je referme la parenthèse. La première, c'est qu'on ne veut plus travailler. Ça, c'est un autre problème. Aller trouver aujourd'hui des ressources partout dans le monde. L'Europe a été contaminée, d'abord les États-Unis, l'Europe, et nous sommes en Afrique en train d'être contaminés par cette nouvelle vague de « je veux vivre ». Alors j'attends de notamment voir... Notamment dans les métiers de l'hospitalité, les métiers du service, là où les gens doivent travailler le dimanche pendant que les autres... Honnêtement, dans tous les métiers. Okay, essayez de faire un travail quelconque en Europe de maçonnerie. Essayez de trouver un électricien, un plombier. C'est l'horreur. Votre plombier, il est à la pêche parce qu'il travaille 3 jours par semaine. Et si vous n'êtes pas content, il vous abandonne, il va travailler ailleurs. Alors, je referme la parenthèse parce que ça, c'est les effets de la pandémie. Il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, pour moi, il y a du bon et du mauvais cholestérol. Il y a beaucoup de mauvais cholestérol là-dedans. Il faut surveiller l'état de santé régulièrement. Mais je reviens à nos problèmes. Je crois que le logiciel que nous devons retrouver aujourd'hui, que nous devons mettre en place, ne doit pas être des discours creux qui finissent par démobiliser tout le monde. Aujourd'hui, plus personne ne croit en rien. Alors, la politique, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, dans les partenariats sud-nord, sud-sud, etc., il y a une pagaille telle
que plus personne ne croit en rien. Alors, peut-on faire des choses concrètes? Je vous donne un exemple. Je vais faire un peu le cocorico, si vous me permettez, juste pour parler de ce que j'ai vécu personnellement sur le continent africain à partir du Maroc. Parce que détrompez-vous, parfois on pense que c'est le nord qui parle au sud, parfois c'est... Le sud qui parle au sud. Non, c'est le nord du sud qui parle au sud. OK ? Et qui parle mal. Donc, j'avais découvert dans une conférence à Casablanca qu'il n'y avait que des Marocains sur l'estrade et il y avait tous mes amis africains dans la salle. J'ai arrêté la conférence, comme j'en avais le pouvoir parce que c'était dans mon groupe, et j'ai dit on arrête et on change de logiciel. Il y a un paradigme, mais on a raté quelque chose quelque part. Donc aujourd'hui, ce groupe-là d'assurance que j'ai monté, qui était leader panafricain d'assurance, 40 compagnies d'assurance dans 27 pays, il n'y avait pas un expatrié. Je répète, il n'y avait pas un expatrié. J'ai trouvé dans ces pays des ressources d'une intelligence remarquable, souvent supérieure à la mienne. Bon, vous me direz, c'est pas très difficile, OK ? Dont acte. Mais j'ai pu gérer un groupe qui est parti de zéro, qui a valu 2 milliards de dollars, avec des gens qui ont eu le plaisir d'être patrons chez eux, de développer avec leurs compétences et leur savoir-faire. Alors, avant d'arriver à Marseille, je vous interpelle là-dessus et sur votre expérience. Est-ce que la solution, finalement, c'est pas de renverser la table et d'imaginer ce passeport euro-africain des talents et de la mobilité, et d'essayer de circulariser ces talents entre les deux continents dans un pacte rénové dans lequel on trouve la clé de partage de valeur entre les deux continents. Parce qu'au final, l'Afrique ne pourra plus être considérée comme uniquement un client ou un fournisseur de matières premières, mais devra être considérée comme un marché. Donc comment est-ce qu'on organise cette conversation pour que ça devienne un cercle vertueux et pas, disons, des externalités négatives entre les deux continents ? Moi, je suis d'accord avec vous. Le discours langue de bois, mais qui est porteur de sens, c'est le destin commun qui nous lie. Mais la réalité, c'est votre synthèse, c'est de dire il faut trouver les relais de croissance. Et à partir de ces relais de croissance, voir comment on développe. Je dirais relais de croissance et de sécurité au sens large, y compris sur la question de la résilience. Parce qu'il y a aussi ces sujets-là. Quand on parle de l'Afrique, dans notre relation à l'Afrique, pas seulement, mais il y a les sujets de développement, il y a les sujets de sécurité, les sujets de terrorisme. La France sort du Sahel, où 58 de nos soldats sont morts. On était jusqu'à 5500 militaires présents sur place pour être chassés comme étant hégémoniques et envahisseurs. Et donc ça doit nous interroger justement sur ce changement total de paradigme dans cette relation. Et puis on voit comment aujourd'hui d'autres alliés, entre guillemets, interviennent. Autant je vois positivement le fait qu'aujourd'hui... Uniquement des alliés qui interviennent ? Mais j'allais le dire. Je vois positivement le fait que l'Afrique aujourd'hui ait le choix des partenaires. Et ça, c'est plutôt bien. Sommet de Sotchi 2019 avec la Russie, j'ai un doute sur la notion d'allié, mais je l'évoque, ou la Chine qui, l'année dernière, a mobilisé près de 3 milliards d'euros d'aides directes, par exemple, pour l'Afrique. Et donc, oui, il y a ça. Et en même temps, on voit, j'évoquais Sotchi, aujourd'hui, certains États s'appuyaient sur les milices Wagner. Les milices Wagner, c'est l'assurance-vie de régimes défaillants ou de putschistes, mais c'est aussi une réalité avec laquelle nous devons faire. Mais il faut regarder, du coup, positivement ces relais de croissance et travailler sur ces sujets. Et voir comment, justement, on n'est pas dans un mouvement, mais dans un renforcement. Et dans et un comment renforcement on introduit par la dimension temps là-dedans, monsieur le ministre ? Parce que c'est une course contre la montre. C'est-à-dire la course contre la montre, nous l'avons déjà depuis plusieurs années, mais on ne l'a pas regardée, notamment sur la question migratoire. Vous l'avez abordée tout à l'heure. Quand je suis né, le Nigeria comptait à peu près 50 millions d'habitants. Quand je vais mourir, remarque statistique, ce n'est pas une annonce, mais logiquement, quand je vais mourir, le Nigeria comptera 450 millions d'euros d'habitants. C'est-à-dire, je le dis pour les Européens qui sont là, à peu près presque autant que l'Europe, le seul Nigeria. Le Nigeria, c'est 1,5 fois le territoire de la France. Ça, c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Donc oui, il y a une course contre la montre qui implique effectivement de faire du développement, mais de faire en sorte qu'on ait du développement en business, en activité, en échange, en formation. Je pense par exemple que la mesure que j'ai eue à utiliser en menace de diminuer par deux les visas sur l'Afrique du Nord est une connerie. Parce que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur le Maroc... Mais je prends un exemple très précis sur le Maroc. Aujourd'hui, j'ai plus de jeunes étudiants marocains qui vont au Royaume-Uni qu'en France. C'est une anomalie.
Moi, j'utilise et plus de Marocains qui vont en vacances en Turquie plutôt qu'en France. Un gros mot. Oui, la Turquie, j'aurais pu en parler aussi, tiens, en matière de développement avec l'Afrique. Je crois que le président Erdogan, je ne vais pas commenter le résultat des élections, est à son 16e déplacement en Afrique depuis qu'il est en responsabilité en Turquie. Et donc oui, aujourd'hui, il faut renforcer ces liens privilégiés par le respect, par l'humilité, et par la modestie. Je vais ajouter de l'eau à votre moulin avant d'arriver à Marseille, parce que Marseille, c'est quand même peut-être une partie de la solution. C'est une ville multiculturelle. Toute la solution, n'est-ce pas, Martine Vassal ? Pas toute la solution, mais une partie de la solution. Ça peut être en tout cas un laboratoire de cette coexistence, du fait de sa multiculturalité, de sa position très importante sur le plan portuaire. Mais je voudrais quand même porter à l'attention de l'assistance et à votre attention un pas très important qui a été franchi une quinzaine de jours par l'Union africaine. L'Union africaine a pris une décision historique. Dans tous les sommets bilatéraux où il y aurait l'Afrique et un pays, on n'aura plus dorénavant 53 chefs d'État dans des minibus. On n'aura que le patron de l'Union africaine et les 4 chefs d'État qui sont dans le quartet qui dirigent l'Union africaine. Et déjà, en termes d'asymétrie, on n'aura plus cette image de dizaines de dirigeants d'Afrique face aux dirigeants chinois, aux dirigeants turcs, aux dirigeants français. Et donc, il y a un changement de paradigme qui est en train de se passer. Le deuxième élément de ça, c'est que a été confirmée la création d'une force militaire de l'Union africaine qui sera déployée et qui fera qu'on n'appellera plus les puissances étrangères. Mais je reviens à Marseille parce qu'elle a cette longue tradition d'ouverture sur la Méditerranée. Quels sont les attributs et les forces dont dispose Marseille pour jouer ce rôle important dans cette médiation entre les deux rives ? 20 secondes sur l'approche plus collégiale. La France doit aussi trouver sa parole dans la parole européenne. Et la stratégie globale voulue, avec l'Afrique voulue par la présidente von der Leyen, je pense qu'il faut là aussi faire un exercice de modestie et nous devons être cohérents, ce qui n'est pas simple. Parce qu'on a certains pays, je pense à la Pologne par exemple, qui ne se sentent pas du tout attirés par le sujet africain. Mais je vais répondre à votre question. Nous avons ici d'abord le premier port de France, le 4e port de Méditerranée. Nous avons des cultures communes, nous avons des diasporas. Et c'est une force d'avoir des diasporas qui sont très présentes et qui représentent l'Afrique, ce lien, des liens économiques avec l'ensemble, avec un grand nombre de pays africains. Et que c'est à partir de ça, effectivement, qu'on doit, parce qu'il y a un grand stop qui s'allume, donc je vais conclure, qui doit nous conduire à construire une coopération qui assume sa diversité. Et Marseille, vous l'avez dit, elle est diverse. Elle est compliquée, hein, Marseille, mais elle est dans cette diversité et ça fait une vraie force. Merci, monsieur le ministre. Je vais vous laisser peut-être le mot de la fin. Vous avez eu un discours très énergique sur ce qu'il faut modifier dans la relation bilatérale entre le Nord et le Sud. Si vous aviez un espoir, une espérance à formuler pour réenchanter, par quel chantier démarreriez-vous ? Écoutez, il y a des chantiers exceptionnels. Aujourd'hui, on voit cette inflation incroyable concernant les denrées alimentaires. L'Afrique est un potentiel grenier exceptionnel pour l'Europe, pour l'Afrique d'abord. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, pour l'Europe et pour le reste du monde. Il y a des choses incroyables à monter lorsqu'on visite les différents pays africains. On regarde sur le volet agricole des richesses incroyables et des faiblesses incroyables. Des manques terribles avec de la technologie, du savoir-faire que nous pouvons partager tous ensemble, sud-sud, nord-sud, et nous pouvons organiser des choses intéressantes sur le volet agricole, sur le volet énergie renouvelable. Nous avons des capacités invraisemblables. On en parle tellement, on ne fait rien. On parle d'hydrogène vert, je n'ai pas vu grand-chose à date d'organiser. On parle de parcs incroyables sur le solaire et sur l'éolien, je n'ai pas vu grand-chose. Donc je pense qu'il faut sortir vraiment de ces débats creux avec des projets concrets, des intérêts partagés, bien compris, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que les preuves d'amour. Et en effet, ça ne peut se concrétiser que sur de l'intérêt réciproque, bien compris. Pas d'intérêt, pas d'action. Et je pense que l'Afrique l'a compris. Si vous n'offrez rien, bien vous n'aurez rien. Maintenant, comment offrir des choses intelligemment, de façon structurée ? Et dernier point, nous avons besoin de faire notre autocritique en Afrique. Nous avons des pays avec une démocratie qui est douteuse. Nous avons de la corruption qui reste à corriger dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations. Et si on veut régler nos problèmes, eh bien, il faut faire un diagnostic sérieux, il faut faire un vrai scanner et ne pas se cacher derrière les doigts de la main. Une fois
De peur, comme vous le dites souvent, que le médicament administré finisse par tuer le patient au lieu de le... Absolument. Il faut vraiment prendre du doliprane et pas autre chose quand on a besoin de doliprane. Et je crois que nous avons besoin de faire des diagnostics sérieux, complets chez nous. Nous avons des choses à corriger chez nous, qui ne sont pas corrigées. Ceci dit, nous avons des richesses invraisemblables, non exploitées. Quand on veut les exploiter, on nous propose de nous piller. Ça ne marche plus. Ça a été dit dans le panel avant, c'est fini, cette ère est terminée. Donc je pense qu'il y a un reset, mais il y a aussi un logiciel. On ne va pas juste resetter sans avoir autre chose à proposer. Il faut développer un nouveau logiciel préalablement. Je vous annonce que ce n'est pas fait. À date, nous n'avons pas de modèle sérieux sur lequel nous pouvons nous baser. Et il y a des exemples qui ont existé de part et d'autre. Il y a des collaborations qui ont existé dans certains domaines, dans de l'aéronautique, dans l'automobile. J'ai eu le plaisir d'avoir participé à monter des centres de ce type-là. Eh bien, tout le monde en profite. Le Maroc en profite pour le cas d'espèce. L'Europe en profite parce que nous arrivons à acheter des véhicules en Europe moins chers parce qu'ils sont produits dans du nearshore, parce qu'ils ne sont pas produits en Asie et qu'ils peuvent être produits demain en étant taxe carbone zéro, c'est-à-dire zéro carbone, avec une capacité, monsieur le ministre, vous l'avez souligné, pour limiter ces flux d'immigration. Et ces flux migratoires, eh bien, la création d'emplois localisés, on a eu des débats infinis avec vos anciens collègues à un moment donné, on a fini par se comprendre qu'on appelait ça de la délocalisation qui était une honte incroyable, mais c'était du co-développement. C'est exclusivement du co-développement. Donc il faut appeler les choses par leur vrai nom et ne pas utiliser des concepts qui font peur et qui font éloigner des pays, des États et des continents. Merci. Au contraire, nous avons beaucoup de choses à bâtir ensemble. Merci, messieurs les présidents, messieurs les ministres. Je pense que votre incantation commune, c'est que désormais, il faut mettre de l'huile de coude, se retrousser les manches, passer du continent des penseurs vers le continent des acteurs. On aurait aimé vous écouter beaucoup plus longtemps et pouvoir avoir ce franc-parler pour animer ces conversations. Je vous remercie et puis je passe la main à mes collègues. Merci.